Baisse le son, baisse le son. En fait, un des plus gros stablecoins nous l'a fait à l'envers, frérot. Sérieusement, quand j'ai appris ça, mon sang ne fit qu'un tour. Il y a même une grosse banque qui est en train de prendre la confiance. Mais si on est là, c'est parce qu'on a décidé de ne pas se laisser faire. Maintenant, tu comprends quand je parle de braquage crypto. En fait, ils nous laissent pas le choix, frérot. Le manque de respect est trop violent. Mais heureusement, de l'autre côté, il y a également des nouvelles extrêmement bullish concernant le développement du Web3. Bref, je vais te partager tout ça, mais avant ça, je te partage les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créée pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter en commentaire. Maintenant, tu connais, hein? Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Tether nous a menti. Tether, c'est la société à l'origine du plus gros stablecoin au monde en termes de market cap à l'heure où je parle. Et on a appris que la société a ouvert des comptes bancaires avec des documents falsifiés. Est-ce que tu te rends compte? En fait, il y a un rapport qui a mis en lumière les pratiques très controversées, si ce n'est illégales, de la société. On a donc appris que Tether avait pu créer une banque fantôme qui a par la suite été fermée par les autorités en 2018. Avec un complice, Bitfinex, Tether a également pu ouvrir au moins 9 comptes bancaires pour des sociétés écrans en Asie en 2018. Ça, c'est grave. Et dis-toi que ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Parce que quand je vois ce genre de nouvelles émerger, je me dis, mais imagine les dingueries et les bails bien sombres qui se sont passés et surtout qui sont passés inaperçus comme lettre à la poste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je te parle pour Tether, mais pas que. Ça concerne aussi toutes les institutions financières, même tous les gros projets, toutes les grosses entreprises. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a une grande différence entre ce que les sociétés nous montrent, les soi-disant preuves de bon fonctionnement qu'elles nous montrent, et toutes les choses qu'elles réalisent en cachette. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu comprends ça, ta vision du monde change. Après, j'ai pas envie de trop parler. Mais après, frérot, tu connais, c'est pour ça que là, dans le Club Alpha, braquage crypto. En tout cas, si tu penses la même chose que moi et que tu veux nous rejoindre, le lien sera en description. Mais tout ça pour te dire qu'il faut vraiment se méfier même des plus grosses entreprises. Parce que plus c'est gros, plus ça passe. Je pourrais même refaire une référence à FTX, hein. Ils faisaient ami-ami avec les régulateurs. On a bien vu comment ça s'est terminé. Je ne dis pas que le stablecoin USDT va mourir. Mais en tout cas, faut se méfier. Et tu vois, parfois, on se demande, mais quel stablecoin est le plus sûr? Franchement, j'ai envie de dire, la sûreté n'existe pas. Et ce que je préconise, c'est la diversification. Avoir plusieurs stablecoins, comme ça, au pire du pire du pire, s'il y en a un qui crache, au moins, l'autre pourra permettre d'amortir les pertes. Comme on est dans les stablecoins, parlons aussi du BUSD. Tu sais, il y avait quelques polémiques autour du BUSD avec Paxos. Là, on voit que les gens fuient le BUSD en masse parce qu'on a vu la market cap du BUSD descendre en dessous des 10 milliards. On se rend compte que même les stablecoins qui sont censés être stables sont en fait dans des situations très délicates. Dans la crypto, la notion de sécurité est très relative parce qu'on sait qu'on évolue dans un écosystème dangereux et j'espère que tu en as conscience. Et normalement, tu en as conscience parce que tu sais que sur la chaîne, il n'y a pas de pleureuse. Laisse tomber la dinguerie que cette banque nous a fait. En fait, HSBC a interdit l'achat de crypto par carte. Aïe, 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 là, ça commence à mettre des bâtons dans les roues. Et leur justification, elle est un peu bidon pour moi, c'est un peu une élucubration. Elle justifie cette décision par le fait que les cryptos soient risqués. Mais en fait, c'est du vent. Parce que si moi, j'ai un compte chez HSBC, pardon, et que je décide de m'exposer au risque des crypto-monnaies, c'est mon problème en fait. Surtout si je le fais en connaissance de cause, tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi jouir et profiter de mon argent comme bon me semble. C'est quoi ton problème?
Et ça aussi, ça met encore en lumière le fait que quand notre argent est en banque, notre argent ne nous appartient pas parce qu'on voit que HSBC, là, elle s'est pris pour nos darons, en fait, pour notre père, pour notre mère. Elle nous dit non, tu fais pas ça, t'achètes pas de crypto. Malheureusement, c'est aussi un point négatif de la banque. Et tu vois, parfois, en fait, j'ai un avis mitigé parce que d'un côté, même dans les crypto news précédentes, on a pu voir qu'il y avait certaines banques qui se montrent très favorable au développement des cryptos, au point de les intégrer dans leur mode de fonctionnement, dans les produits qu'elles proposent à leurs clients. Mais de l'autre côté, il y a certaines banques comme HSBC qui sont un peu arriérées. Après, je pense que même si aujourd'hui elles décident d'interdire les cryptos, il est fort probable que demain elles changent d'avis, parce qu'on les connaît aussi, les banques. Mais bon, dans tous les cas, on sait que l'adoption massive va se produire avec ou sans elle, et les banques et tous les acteurs qui ne voudront pas voir la vérité en face vont finir comme Kodak qui a raté la révolution du numérique dans l'écosystème de la photographie. En parlant d'adoption massive, il y a des nouvelles extrêmement bullish concernant le développement du Web3. Warner Bros. Est bullish sur le Web3. Ils ont un jeu Web3 qui s'appelle le Blocklet Golf. Et là, on apprend qu'ils ont décidé de migrer leur jeu de la blockchain Flow, pardon, à la blockchain Immutable X. Et les raisons qu'ils ont évoquées sont premièrement la rapidité des transactions sur Immutable X, le mint des NFT qui se fait sans frais. Et surtout le fait qu'Immutable X soit backé par la sécurité d'Ethereum, car Immutable X, c'est une layer 2 sur Ethereum. Et quand on parle Web3, il faut aussi qu'on parle de Starbucks. Ils avaient récemment lancé leur programme de fidélité Web3, qui prenait en compte les NFT, et là, leur programme se porte bien. En tout cas, c'est validé par Bank of America. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que Starbucks a des concurrents qui sont peut-être en train de regarder discrètement comment cette opération s'est réalisée. Il suffit d'avoir un succès comme ça pour que les autres reviennent, pour que les autres viennent plutôt et se disent, allez, c'est bon, nous aussi, on lance notre programme de fidélité Web3. Et ça, c'est très positif. Autre chose, côté réseaux sociaux décentralisés, il y a également une nouvelle application qui voit le jour sur l'Apple Store. Elle est disponible en version bêta. Alors là, on a déjà plusieurs applications qui veulent surfer sur cette tendance. Il n'y en a encore aucune qui a réussi vraiment à s'imposer et à être adoptée massivement. Est-ce que Blue Sky est l'application qui sera choisie? Pas affaire à suivre. En tout cas, si tu as téléchargé l'application, n'hésite pas à me partager tes retours. En parlant d'application Web3, il y a aussi Chiller. En fait, Chiller, c'est une application streaming Web3 et on a récemment appris que Snoop Dogg était l'un des cofondateurs. Je ne connaissais pas cette application. Est-ce que le fait que Snoop Dogg fasse partie des fondateurs va permettre aussi à cette application d'attirer le grand public? Encore une fois, affaire à suivre, hein. Parlons d'Amazon. Là, deux grosses nouvelles, deux grosses bombes en fait. La première, c'est qu'Amazon a réalisé un nouveau partenariat Web3 avec Yoast. Alors, je ne connaissais pas ce projet, mais c'est bullish pour le développement Web3. Mais l'autre nouvelle majeure, c'est qu'on a appris qu'Amazon pourrait lancer sa marketplace NFT en avril. T'imagines? Là, j'ai pas le chiffre en tête, mais Amazon, il me semble que c'est plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, de clients, et toutes ces personnes vont être confrontées aux NFT sur leur site, à voir comment cela va se mettre en place. Mais pour moi, c'est très très bullish. Et aussi, ce sera intéressant de voir comment la narrative des NFT et même NFTfi va évoluer. Et je te dis que même si tu es 100% crypto, essaye de t'intéresser aux NFT, parce que même en termes de stratégie DeFi pour générer du rendement, il y a des choses à faire avec les NFT. C'est pour ça aussi que le NFTfi, c'est une tendance à suivre de très très près. En fait, il y a un rapport de Reuters qui a affirmé que Visa retardait le lancement de certains produits liés à la crypto jusqu'à ce que les conditions de marché et la réglementation s'améliorent. Alors, il s'est avéré que cette information était inexacte. Là, ils sont déterminés, ils continuent de build, ils continuent les partenariats, ils ont toujours les convictions testostéronées. Et même si la période actuelle est remplie d'incertitudes et de challenges, ils sont là, ils sont présents, ils sont toujours convaincus dans l'avenir brillant des cryptos et du potentiel de la blockchain. Il y a d'ailleurs un représentant, ou en tout cas un reuf de l'équipe de Visa qui a
démenti ou en tout cas mis en lumière le fait que le rapport de Reuters présente des inexactitudes. Ouais, je l'ai bien dit. Donc voilà, c'est pour ça que parfois, même dans toutes les informations qu'on reçoit, il faut les prendre avec des pincettes parce qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre plus tard que c'était une erreur ou que c'était une information inexacte. Donc depuis plusieurs semaines, voire mois, on parle du LSD dont l'intérêt est en hausse, surtout avec la mise à jour Shanghai sur Ethereum qui va permettre de débloquer les Ethers bloqués. Et là, il y a quelques informations très très bonnes à savoir. Premièrement, la mise à jour Shanghai, il me semble qu'elle a été repoussée pour avril. Donc elle se fait attendre, hein. Peut-être que l'effet sera encore plus grandiose, affaire à suivre. Mais autre point très intéressant qui met en lumière le fait que le liquid staking connaît un intérêt croissant. En début d'année, Lido avait dépassé MakerDAO en termes de TVL et Lido est désormais le protocole DeFi avec la plus grosse TVL selon DefiLlama. Autre point, de manière générale, la TVL du liquid staking a récemment dépassé la TVL de la catégorie lending, donc prêt et d'emprunt, et c'est notamment grâce à Justin Sun parce qu'il a récemment fait un dépôt de plus de 200 millions de dollars en Ether sur Lido. Donc le ref là, il est d'Ether aussi, il croit dans l'Ether, il croit au liquid staking, c'est assez bullish. Après, suite à ce dépôt colossal, Lido a décidé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour gérer l'afflux massif et important de capitaux qui pourraient arriver sur leur plateforme. Parce que quand tu as un afflux régulier, ça passe, mais dès que tu as des montants qui dépassent l'entendement, là, ça peut causer des petits problèmes. Mais en tout cas, concernant Lido, une autre nouvelle très bullish, c'est qu'ils ont récemment déclaré avoir reçu le plus grand afflux quotidien avec un total de dépôts qui s'élève à 9,34 milliards de dollars. Donc ça montre vraiment que l'intérêt pour le liquid staking est vraiment à son paroxysme, j'ai envie de dire. En tout cas, de par les records qu'on apprend, ça semble être le cas. Autre point. L'intérêt pour le liquid staking avait également connu un petit pic après que la SEC ait décidé de contraindre Kraken de stopper son service de stacking. Suite à cela, les personnes qui avaient choisi de stacker leur Ether sur Kraken étaient en recherche de nouvelles solutions. Et la bonne nouvelle, c'est que les nouvelles solutions se trouvaient sur des plateformes décentralisées comme Lido. Et ça s'est même fait ressentir dans la réaction du marché. Parce que les cryptos reliés au liquid staking ont réussi à surperformer le Bitcoin depuis la décision de la SEC. Et c'est quelque chose qui pourrait potentiellement s'amplifier. En tout cas, personne ne peut prédire l'avenir. Affaire à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après la mise à jour de Shanghai, quand les Ethers seront débloqués, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes et notamment beaucoup plus d'institutionnels qui vont décider de stacker leurs Ethers. Mais attention, parce que là, on a vu qu'une nouvelle de la SEC peut permettre de booster le cours des cryptos reliés au liquid staking, mais parfois, on peut également voir l'effet inverse. Et c'est aussi ce qui s'est passé cette semaine. Parce qu'il y a une rumeur qui avait été faite par une personne qui a un média crypto, il me semble, un gros média crypto anglophone, où il disait en gros que Lido serait dans le viseur de la SEC, pardon. Cette rumeur a fait chuter le cours du LDO, donc la crypto reliée au protocole Lido, de 10%. Donc on voit aussi comment les cryptos sont sensibles aux décisions de la SEC et même aux news de manière générale. En tout cas, je pense que le liquid staking a de beaux jours devant lui. Affaire à suivre d'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu stackes tes Ethers et ce que tu penses de cette narrative. Ah oui, j'allais oublier avant de terminer. Tu sais, j'ai lancé une série qui s'appelle VC Money où on passe en revue les différents projets crypto qui ont levé des fonds. Parce qu'il faut savoir que quand un projet crypto lève des fonds, quand les VC investissent dans un projet crypto, plutôt, ils le font pour faire un fois 100. Donc, c'est intéressant de voir un peu quels sont les projets crypto qui lèvent des fonds. Et parmi les projets récemment partagés, il y a un protocole de liquid staking très, très prometteur. Donc, je t'invite à regarder cette série pour découvrir le protocole en question. Donc, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre un petit pouce j'aime et t'abonner
pour donner de la support et moi je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.